1, 2, wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc les refs, vous avez capté, on est en forme. On pète la forme là actuellement. Est-ce que vous vous rappelez ou pas, hier on a terminé par la salle, je lui avais fait le prank des tacos. Et bah c'est le même jour, on est rentré, on s'est douché. Et là en fait les refs, on va passer le sahur, le moment de où on mange à 4h du mat. Sauf que là il est minuit, tu vois, on va le passer avec nos potes. Exactement. On va aller rejoindre les refs et puis voilà. On avait acheté des trucs aussi hier, vous vous rappelez ou pas, à Carrefour avec Ahmed, regardez. Alors du coup les refs, vous pouvez voir la table. Regardez, il y a des pizzas. Ça c'est des pizzas 4 fromages, c'est les plus chers parce que c'est les meilleurs, faut être honnête. Après on va tester aussi la pizza de la mama. Les pizzas de Mister V, j'espère qu'elles vont être bonnes, j'espère que tu vas pas nous décevoir. Fais un bon accent, pizza. Pizza de la mama, c'est ça. Full line. Après les refs pizza au thon, c'est les meilleurs. Voilà. Boisson énergisante si on veut rester réveillé, on a pris du Monster. Bon en vrai ça c'est pas... c'est des boissons énergisantes, c'est mieux de pas en prendre les refs. Et rappelez-vous hier, Bilal il a pris les Twix, il a posé dans le caddie. Juste après j'ai posé, j'ai pris cela parce que c'est moins cher, parce que je suis un rat. Mais ça a le même goût frère. Après la famille on a aussi des bonbons. Donc regardez c'est carré. Voilà du coup là Bilal qu'est-ce qu'on va faire, on va aller les rejoindre. On va tout mettre ça dans un sac les refs et on va rejoindre nos potes. Let's go Adem. Regardez la famille, les rushs d'hier ils sont en train de s'envoyer au monteur, c'est à 76%. Pour vous dire qu'on carbure les vidéos, ça charbonne. Bon les refs, du coup là il fait nuit, il fait hyper froid dehors. Cette dame, il fait hyper froid, le vent il est glacial. Du coup les amis, maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont pas abonnés les refs. On vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Bon la famille, du coup on est là, on est posé. Là je suis en train de préchauffer le four parce qu'on va se commander, enfin on va se faire ces pizzas mon pote. Du coup les refs c'est les pizzas qu'on vous a montré tout à l'heure. Là ils préchauffent, c'est carré. On est avec tout le monde là, on parle. Ouais ouais ouais. Pourquoi tu fais ça? T'es païen moi. Bon la famille, découverte de la pizza de la maman. Vas-y tiens moi ça Adem. Donc regardez ce qu'il y a dessus. Bah pour l'instant il y a que du fromage. Il y a du roquefort ici, ça a l'air bizarre. Ah non, le roquefort c'est éclaté. Et on verra quand ça sera cuit. Et après ici il y en a d'autres. Là il y a une pizza au thon aussi, elle a l'air méchante. Tu veux un café? Moi. Ok, un café. Bon c'est carré la famille. On appuie, petit café. Marvin, regardez, c'est un fan en vrai, il regarde nos vidéos. Kéké, tu veux, tu mets du sucre? Voilà, le sucre, la cuillère, t'as tout ce qu'il faut. Bon, du coup, les refs, je m'en fais un, je fais une petite dégustation de café. Ça y est, je suis un adulte. Juste avant, les amis, là, la pizza, je crois, elle est prête. Ok. Oh, maintenant, je mets la pizza de la mama et on mange. Oh, regardez-moi cette pizza, les amis. Moi, je veux vraiment goûter celle de Mister V, là. Allez, cuit. Alors là, les refs, c'est le moment où Adem coupe les parts. Fais ça bien, là. Tu t'es lavé les mains? Ouais. Là, il y a un produit pour les mains, au cas où. Lavez-vous les mains avant de prendre votre part, les amis. Ok, personne m'écoute. C'est bizarre, c'est coupé, y'a personne qui saute dessus. Ah, bismillah, les frères, bismillah. Moi, je. Vas-y, ah, bismillah, les refs. Vas-y, Ahmed, il va goûter, il va nous dire. C'est chaud, c'est mais après, c'est des pizzas. Moi, je veux goûter celle de Mister V, là. Je vais être intransigeant. Incroyable, incroyable, les gars. C'est au fromage. Il y a fromage et thon. Bon, du coup, la famille, bismillah, on va goûter. Du coup, les refs, on mange, tu connais. Oh, les refs, elle est prête. Wow. Wesh. Waouh. Elle a pas fait les choses à moitié, Mister V. Elle est épaisse, hein. Qui en veut? Moi. Bon, Mister V, on va goûter ça. Je prends ma part, les refs. Ah, dites la vérité, hein. Honnête. J'avoue, le fromage, il est fort, mais c'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon. C'est bon. C'est pas mal. Niveau qualité-prix. Prenez le premier prix, ça change rien. C'est vrai, mais c'est cher en vrai. Elle coûte combien? Elle coûte 3,50€, je crois, ou 3€. Alors que les autres pizzas, elles coûtent 2 balles. Ah, c'est vrai. Moi, la famille, je veux goûter, bismillah. Ah, merde, on commence le coup. Ah, il aime pas. C'est pas bon. J'aime pas le roquefort, ça dégoûte, frère. C'est pas du roquefort. C'est du bleu, c'est du bleu. Mister V, elle est dégueulasse, ta pizza. La tête d'âme honnête, vraiment, genre. Bon les refs, j'ai ma petite caméra vlog, Adem il a sa caméra, on va tout simplement aller en magasin. Moi de mon côté les refs, je vais aller à Carrefour, je vais aller acheter tous les ingrédients pour faire un tiramisu pour le barbecue de ce soir. Et toi Adem, tu vas faire quoi? Et bah moi, vu qu'il y a un barbecue, je vais aller chercher de la viande, du pain, des conneries, des trucs pour faire de la salade, ça va être bon. Ok les refs, bah chacun de son côté, chacun a sa caméra, Adem il me dépose et puis il va de son côté et moi de mon côté les refs, let's go. Bon du coup la famille, là je suis à Carrefour, donc c'est parti pour le tiramisu, je vais le faire au Kinder Bueno Nutella, parce que les refs... Ouais, j'aime pas le spéculoos, j'aime pas le café. Bon, du coup, bah, je vais le faire avec ce goût-là. Et en espérant que je vais pas le foirer, c'est parti, je prends tous les ingrédients. Mmh.
Bon, la famille, pour finir, il faut des boudoirs. Du coup, je vais en prendre. Je crois qu'il y en avait déjà à la maison. Et voilà. Là, on est au max, les refs. J'ai tout ce qu'il faut, les amis. On peut rentrer. Bon, la famille, pendant que Bilal, il fait le tiramisu, moi, je suis ici. Je suis avec Thanos. Il me rejoint dans mes galères. On va à la boucherie, là, du coup, chercher la viande. Mais regardez, c'est les bouchons, comme par hasard. C'est blindé de partout. Je me suis garé dans un parking souterrain parce qu'il y avait trop de monde partout. C'est abusé. Donc là, je suis à Mantes. Ahmed, il nous a rejoint. On va aller le voir. C'est parti. Comment ça va, mon con? Salut les amis, vous allez bien? Comment ça va aujourd'hui? Super fatigué, mais c'est pas grave, on va bien s'amuser. Bon, on va se diriger vers la mosquée. Pas du tout. Non, Starfallah, on va se diriger vers la boucherie, parce que d'abord, on a faim. Bon, Ahmed, on prend quoi? Toi, je suis en train de vlogger aussi, en fait. Ah ouais? D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, la famille. C'est parti, les gars, abonnez-vous en masse, c'est le retour, ça y est. Là. On va aller chercher des jeunes merguez et de la jeune dinde à faire cuire au barbecue. Ça va être délicieux ce soir. Et du poulet. Ah, et du poulet. Bon, la famille, c'est bon. Je viens d'arriver à une boucherie de famille, là-bas, là. On va aller se remplir de merguez et de dinde et de poulet. On y va parce que c'est la famille. Ouais, parce que c'est ce qui est écrit en gros. Il est marrant, lui. Regardez-moi ça, boucherie de famille. C'est parti. Je vais prendre 3 kilos de merguez, mais 2 kilos de douce et 1 kilo de piquante, s'il te plaît. Mettez-moi 16 brochettes. Ouais, 16, s'il vous plaît. Brochettes de dinde marinée. En gros, la famille, j'ai pris 2 kilos de merguez douce, celle-là, là-bas. Et 1 kg de merguez piquante avec, vous voyez les brochettes là-bas là? Les brochettes marinées comme ça là, elles sont déjà marinées. À la famille, regardez toutes les sauces. Je pense qu'on va prendre des sauces, regardez. Vu qu'on fait un barbecue, on va prendre celle-là. Je pense barbecue, Biggie et une algérienne, la famille. Bon les refs, moi c'est bon, j'ai terminé, j'ai la viande. J'espère que Bilal de ton côté, t'as fini le tiramisu parce que je veux un bon dessert mon gars. Allez hop au boulot. Bon là on fait quoi? On rentre! Parce que Théo, il travaille. Il faut qu'on le dépose vite là. Faut qu'on le dépose, on a 5 minutes de retard déjà. Mais bon, avec la 45, ça va aller très vite. En gros, on a 35 minutes de route à faire en 28 minutes. Allez, c'est parti. Bon, la famille, à tout à l'heure. Bon, la famille, je viens de rentrer. J'ai le sac. Donc, let's go. Alors, du coup, Kinder Bueno, White et Kinder Bueno normal. On a les boudoirs. J'ai pris aussi du Nutella. On va faire un nappage avec, ça va être incroyable. Après, la mascarpone. Une deuxième mascarpone au cas où. Après la famille, j'ai pris aussi du chocolat blanc. Comme ça, ça va faire le nappage aussi par-dessus. Regardez, y'a qui vient de rentrer. Bonjour. Ça va? Oui. T'es bien à l'école? Oui, ça va. Hey, est-ce que tu peux faire un tiramisu avec moi? Tu m'aides? Vas-y, chaud. Bah, tu vois, déjà, j'ai acheté tout ça, Kayla. Donc, on va le faire ensemble. Tu vas te laver les mains et on se retrouve ici. Oui, vas-y. Vas-y, à tout de suite, les refs. Quel timing! Tu tombes à pic. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Bah j'ai la flemme. On a dit on rangeait la maison. De toute façon là je suis en vacances, je vais rien faire. J'avoue c'est les vacances là. Normalement c'était vendredi. Comme on fait un voyage, voilà. On part avant les amis. Du coup elle a dit à l'école qu'on partait et tout, bah ils l'ont laissé sortir. Tant mieux qu'elle a été libre. Tu vas kiffer ces vacances, tu vas voir on va aller où. Je sais où on va hein. Ah ouais c'est vrai, toi tu sais, je suis un ouf. C'est les abonnés, ils savent pas. Oui. Bon c'est parti les refs, je suis avec Kayla, donc on va faire le tiramisu. Elle m'a dit qu'elle avait quoi? J'ai basket à 17h30. Donc voilà, elle va au basket. Bon du coup les amis, on va commencer par étape. Alors déjà on a un récipient Kayla. Attends papa, tu peux allumer les LED? On va mettre les LED au-dessus les refs, comme ça ça va être beau gosse. Alors Kayla, tu sais ce que tu vas faire toi? Mm-hmm. Tu vois les Kinder Bueno, tu vas les enlever un par un et tu vas pas les casser. Tu les enlèves juste de leur sachet, tu les prépares dans une assiette. C'est parti, tu fais ça. Ouais, tu vas chercher une assiette. Et il faut savoir, c'est la première fois que je fais un tiramisu. Je sais pas si ça va être compliqué ou pas. Alors bah c'est parti, tiens, Kinder Bueno normal, Kinder Bueno White. J'ai faim. T'as faim là? Ça me donne envie, j'en veux. C'est vrai que les refs, moi aussi j'ai hyper faim. Ah, on est d'accord, ça fait beau gosse avec la lumière. Bon, du coup, le tiramisu, on le fera à l'intérieur de ça. Alors les refs, je dois casser 2 œufs. Tu sais casser les œufs? Oui, tu sépares le blanc de le jaune. Ok, je sépare le blanc et le jaune. Elle l'a cassé, mais non. Doucement. Allez, tu continues ton taf, let's go. Bon du coup, c'est parti, je vais séparer le blanc du jaune. Let's go les refs. Kayla, tu regardes, t'es prête? Alors, on casse les refs. Ici, je vais mettre le blanc. Tu lavais les mains? Oui, je me suis lavé les mains, je t'ai dit quoi tout à l'heure? On se lave les mains, c'est pas pour que je me lave pas en fait. Et voilà, là on met le jaune de ce côté-là. Et on fait pareil pour le deuxième. Oh merde, merde. Ok, c'est bon, j'ai géré les amis. Maintenant, on va mélanger. Il faut mettre une pincée de sel dans le blanc en neige pour que ça monte. Et ça suffira. En vrai les refs, ma mère elle est là pour m'aider un petit peu. Parce que vas-y j'ai jamais fait. Tiens tu mets du sucre vanille, t'es jaune. Sucre vanille les refs, voilà. Et moi j'ai deux cuillères de sucre à l'intérieur. Vas-y mets-les. C'est vraiment sympa quand il y a ta mère qui t'aide. Un petit peu plus, voilà. Ok et là je mélange avec le batteur. C'est parti les refs, on va blanchir. Ça donne envie hein. Tu veux mélanger un peu? Vas-y. Vas-y bah mélange à fond. Moi je continue les Kinder Bueno. Non, toi, tu fais le blanc en neige. Je fais le blanc en neige, regardez comment ça donne envie. Bon c'est parti pour le blanc en neige. Bon on se retrouve dès que c'est monté. Je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais ça tient bien. Et normalement, quand on fait ça, ça tombe pas. Voilà, c'est ça. Ça tombe pas. C'est dit que ça tombe sur ton visage. Hein. Victoire. Je prends la mascarpone. Mais en vrai, c'est facile un tiramisu. Les étapes, elles sont trop simples. Il est dans le jaune.
Dans le jaune, non? Ok, les refs, c'est parti, on va mettre la mascarpone. Et voilà. Wesh, tout est parti. C'est incroyable. Oh, je peux mélanger. Non, 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 ça commence à être délicat, et là, je le fais. Tiens, fais-le avec celui-là, c'est mieux. C'est, en fait, ça s'appelle Maryse. Tu sais pourquoi ils l'ont appelé comme ça ou pas? Genre, ça pouvait être une Bilal ou une Kayla, je sais pas. C'est Maryse. Ça devait être une pâtissière à l'ancienne. Mais t'es gênant, là. Je sais. Et là, ils me connaissent en étant gênant. C'est pour ça que je suis gênant. Ah, y'a de l'œuf partout, ça me dégoûte. J'avoue que l'œuf, ça pue sa mère. Du coup les refs, je dois tremper les boudoirs dans le lait parce que je sais que les potes ils aiment pas le café. Je sais pas pourquoi d'ailleurs les refs, c'est trop bon le café mais bon, ils font trop les gna 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 gna. Bah vas-y. Alors on va mettre le lait ici. Là c'est la partie décoration, là on monte le tiramisu les refs. On prend tout simplement le boudoir, on le trempe et après je le cale juste ici. Et ainsi de suite les refs, on va remplir tout le tiramisu. Let's go. Bon la famille, là ma mère a mis la première couche. La tête d'homme, j'aurais pu vraiment le faire, mais vas-y, elle insiste et ils savent pas cadrer. J'ai forcé, mais au calme. Après les refs, regardez, on a la tour de Kinder Bueno. C'est incroyable. J'en ai trop mis. D'ailleurs, Kayla, beau travail. Merci. Première étape, la crème est bien mise, les refs. On attaque la deuxième étape, les boudoirs. On recommence, la même chose. Du coup, les refs, premier étage, et là, deuxième étage, on remet la crème par-dessus. C'est incroyable, il va être vraiment magnifique. Wesh, le focus, il a fait des dingueries. Regardez-moi cette crème, les refs. C'est majestueux. Je vous jure les refs, c'est hyper rapide de faire un tiramisu. Donc là on a la machine. Avec ça on va râper dans le tiramisu du fromage. Non je rigole. C'est une tablette de chocolat blanc les refs. Imaginez-vous on met du fromage. Bah let's go, c'est parti, je vais râper. Enfin je veux pas râper, genre je veux faire du rap hein. Je veux râper le chocolat. C'était éclaté. Bon la famille, ma mère me montre et je recommence. Fais gaffe hein, parce qu'après vers la fin de pas te râper les doigts. La tête d'homme, ça fait mon sport du ramadan de la journée. Ah, t'es bête. Attention hein, ne pas se râper hein, et moi j'arrive, brah, mon doigt. Bon, on va la laisser faire. Bon, la famille, Bilal il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de gobelets, d'assiettes, et c'est tout. Parce que vu qu'on fait un barbecue et qu'il y aura du monde, et bah on va pas sortir les assiettes quoi, logique, normal. C'est plus écologique, tu connais. C'est pour moi faire travailler la daronne. Bon bref, c'est où les assiettes en carton, les gobelets? Je sais pas où c'est moi. Ça c'est un travail de girls. Je suis désolé mais putain, je vais trouver ça où frère. Mais ref, c'est bon, j'ai trouvé, regardez. Ici, donc je vais prendre 20 assiettes et 20 gobelets, je pense que c'est parfait. Je vais prendre ça, voilà, et ça la famille, regardez, il y en a 20, ça fait 4 euros les 20, je sais pas si c'est cher. Parce que les trucs comme ça, c'est que ma daronne qui connaît les meilleurs prix des trucs comme ça, genre. Elle va me dire, ouais, t'aurais dû prendre ça à Action et tout, tu vois, moi, je sais pas, frère, bref. Ah là là, il m'a encore rejoint les amis. Tout le temps, je suis toujours là frère. Qu'est-ce qu'on prend? Du coca chéri, parce que j'en ai grave envie. Et du non gazeux pour les gens qui ne voient pas du gazeux comme Théo. Vas-y, mets tout ça là-dedans mon gars. Carrément oublié de prendre des chamallows parce qu'on va faire des chamallows grillés. Du coup, il me faut aussi les brochettes comme ça pour faire tenir les chamallows. Et là, seulement, j'irai à la caisse. Vas-y, envoie. C'est bien ça, c'est bien. Il fait des bêtises dans le magasin. J'ai super mal visé. Ouais, c'est quand même pas normal que c'est moi qui me tape la cuisine et Adem qui sort avec les potes faire des petites courses là. Non mais après j'avoue que ça fait longtemps que j'avais pas cuisiné comme ça, ça fait du bien de temps en temps les refs. Donc là on prend la poudre de perlimpinpin et voilà, ça va être incroyable, il va être trop trop bon les amis, je vous jure. Mon premier tiramisu ça va être une réussite et on verra les refs quand ils vont le goûter au barbecue, ce qu'ils en pensent. Une tablette de chocolat blanc, ça a suffi les refs. Et pareil, hein, le pot de mascarpone, juste un pot, ça a suffi. Après, trop crémeux, c'est écœurant. Déjà que c'est assez gourmand, les refs. Bon, c'est parti, là, c'est le moment Nutella, les amis. Oh, je kiffe trop ouvrir ça, c'est trop satisfaisant. Et là, je veux tous vous faire mal au cœur, les refs. Tiens ça, Kayla, elle a le seum. Bon, une fois que c'est enlevé, je prends ma cuillère, les refs. Je prends deux grosses cuillères et je veux le mettre... dans comment ça s'appelle? Bon, elle va me le mettre à l'intérieur, dans le sachet. En vrai, j'ai été assisté, là, durant ce repas, les refs. Il y a le vlog de 18h qui va bientôt sortir. Je l'ai même pas regardé pour voir ce que ça donne, le montage, tout ça. Et tous les jours, les refs, c'est la course, parce qu'on tourne les vlogs, et en même temps, faut penser à celui qui va sortir aussi. Mettre les publicités, mettre les tags, voir si c'est monétisé, si tout va bien, le titre, la miniature. Il y a du taf de fou, les refs. Là, les refs, c'est parti, moment de Nutella. Ok, ça sort des deux côtés. Vas-y, ouais, c'est exprès. Ok. C'est déco. Tu appuies à fond, voilà. Ok. Oh, t'es nul!
Mais c'est ton sac qui est claqué. Bon, tu sais quoi, les refs, elle va le faire. Bon, on va mettre le Nutella comme on peut dessus, on revient. Bon, regardez la famille ce que ça donne. Ma mère, elle a mis le Nutella. Bon, c'est un petit peu éparpillé partout, mais de toute façon, ça va pas. Une fois qu'on va mettre le Kinder Bueno dessus, les refs, ça va être incroyable. Donc, je les coupe en petits morceaux. Je vais en mettre chocolat blanc à côté, comme ça, les uns à la suite des autres. Et voilà. Vous avez vu les refs, je vais finir l'aligner comme ça, là. Ça va être beau gosse. Bon les refs, on a mis le film et ça part au frais pendant 4 heures. Bah jusqu'au futur. Allez, je te ramène au basket, on a fini ce qu'on avait à faire. Bien joué. T'as servi à rien mais au calme. Ouais. C'est déjà bien. Il est 27, allez. Bon la famille, je suis dans la cuisine, ça fait je sais pas combien de temps j'attends Adem. Je sais pas il est où. Regardez dehors les refs. Ça commence à s'assombrir en fait. Bon du coup, dans le frigo, ma mère elle a préparé autre chose les refs. Pour le barbecue, elle nous a mis bien. Regardez, ici on a du taboulé, les amis. Ça s'appelle du kısır en turc et du taboulé en français. Ça, ça va être incroyable. Vraiment, ça, c'est une dinguerie. Je lui remets au frais. Allez, on attend Adem. Bon, la famille, en attendant Adem, je veux passer la tondeuse, les refs, dans le jardin. Parce que là, il y a de l'herbe partout. Bon c'est parti les refs, on va au fond du jardin. Adem il vient d'arriver, il a posé toutes les courses dans le salon. Du coup les refs, ce soir on va manger là. Donc la table ça va être beau gosse. Après bah là il y a le barbecue, le fameux barbecue, vous le connaissez hein. C'est parti, on va allumer le feu. On a les charbons juste ici. Là j'ai fait un... Enfin mon père il est en train de m'aider. Il a fait une... Comment ça s'appelle? Une pyramide avec du bois. Bon du coup la famille, ici on a de la dinde, des brochettes avec des merguez. Léa ramène les sauces. Salut Léa. Et je ramène les couverts aussi. Ok, donc Léa les refs, elle s'occupe de tout. Il y a aussi le premier invité qui nous a rejoint les refs. C'est moi le premier, Thanos. Toujours le premier arrivé. Oh il a ramené des chamallows. Ok, il a pris sauce algérienne. Ah c'est algérienne et là, c'est quoi? Sauce Biggie Burger et sauce barbecue. Ok, il y a mes trois sauces préférées, c'est carré. Adem est là les amis. Moi j'ai pris le kısır. Ouais, je leur ai montré tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Bon ça donne ça au niveau des charbons, c'est parti, on va l'allumer là. Du coup la famille, j'ai ramené ma deuxième invitée. Bien. Oui. Elle a ramené la boisson, tu vois, ça sert pas à rien elle. Ouais mais allez, il y a plein de trucs à poser sur la table, c'est le travail d'une meuf ça. Elle est ref, il dit ça, mais depuis tout à l'heure c'est lui qui fait la table. Allez au boulot les amis, table là-bas, ça sert pas à rien, ça fait plaisir. On est vraiment bien, là on est blindé, il y a du monde qui arrive, le feu est toujours en train d'allumer. Tu vois la famille, ça c'est si vous mangez en cachette pendant le ramadan, vous allez finir là-dedans. Regardez les refs, il y a encore qui? Ok, il a ramené, wesh tout le pain. J'avoue, je crois que j'ai abusé, mais bon c'est pas grave. On est des pigeons. Ah ça, voilà, je t'ai trop vu ces ramadans. C'est vrai que je vous vois plus que mes parents, c'est n'importe quoi. Ah ouais, j'avoue. Ah ça, comment c'est méchant avec les lumières. Bon du coup, la famille, le feu, bah il est prêt. Ça veut dire on va commencer par mettre les merguez. Ouais mais sauf qu'il est 20h15, on va être en retard mon gars. T'inquiète, on mange une date, après on mange, il y a le temps. Ouais. Regardez la famille, les braises, tout est éparpillé. Bon les merguez, les refs sont au frigo. Qu'est-ce que je raconte? Elles sont en train de souffrir. Ça donne grave envie. Dites en commentaire ce que vous en pensez là, les merguez c'est trop bon. Ahmed a pris du pain les refs pour les sandwichs, ça va être incroyable. Bon Adem il prépare son sandwich. Adem tu fais le mien? Je fais pour tout le monde. Ok, vas-y bah les refs il va couper. Bon du coup il va mettre les sauces. Moi Adem c'est Biggie Barbecue, tu connais? Non, je coupe les pains mais après les sauces vous faites ce que vous voulez. Ok, on se démerde, c'est comme ça. C'est un faux frère. Ouais c'est un faux frère, au moins pour ton frère. Non? Vous avez vu ou pas, c'est un crevard. Moi je te ferai Bilal. Ah merci Ahmed, je vais te le faire aussi. Merci. C'est trop. Là il y a lui là. Dites-vous les refs, il est venu juste pour manger, il repart. Mais au calme. Il y en a toujours un comme ça de toute façon. Regardez la famille ici, c'est l'enfer, on sait pas pourquoi il y a ça. Du coup c'est carré, des bonnes petites merguez. Bon la famille, la dernière personne, enfin. Là il y a tout le monde, on est au complet, c'est carré. Bien. Ça va? Bon bah ça rafle tout le coma tous les refs. Bismillah. Bon y'a rien à grain là en fait. Ça cuit mais prends une date. Ah ok. Vous allez voir un sandwich en direct la famille. Regardez les sauces. Alors Biggie Burger et barbecue. Y'a la grosse tête de Leia. Oh elle a ramené les merguez. Oui tiens, prends serre-toi. Y'en a combien chacun? Deux. Y'a des piquantes et y'a des non piquantes. Barbecue les refs, on blinde parce que c'est incroyable. Et la sauce Biggie Burger. Allez cool ta mère. Et voilà. T'en veux Adem sauce? Ouais. Tiens Ahmed si tu veux. Après la famille vous ouvrez, vous mettez votre merguez dedans. J'ai carrément mis trois merguez dedans. Attends, on va goûter. J'avoue, c'est incroyable. C'est d'art. Ouais, bon, je tape un croc ou pas? Regardez toute la sauce. Il est abusé, voilà. Bon, c'est bon? C'est incroyable. Bon, je vais goûter mon sandwich aberrant. Ouais, la Biggie. Il est miteux. Oh la lumière c'est carré. La tête d'âme, je savais pas y avait ça. Vous avez vu ou pas? Bon bah la famille, il fait nuit et on voit comme s'il faisait jour, c'est incroyable. Bon on continue de manger, tu connais. On va taper le sandwich en entier. Eh ça, beau gars, meilleure boisson. Incroyable.
J'ai carrément arraché tout le truc. Bon, je me fais un petit shot. Ouais. Adem, viens manger, arrête de parler. Mais en fait, je dois faire la cuisson, moi, en fait. Ça crame derrière, regardez. Je suis chef cuistot, moi. Il est comment, le sandwich? Il est comment? Franchement, il est délicieux, regardez l'intérieur. Ah ouais, il est méchant. Wesh, le feu là-bas. Du coup, là, les refs, ici, c'est quoi qui cuit, Adem? C'est brochette de dinde. Brochette de dinde. Et là, on se tape ça. Bon, du coup, regardez, on a le taboulé. Sandwich taboulé. Je peux pas faire mieux, wesh. Bon, maman, je vais goûter ton taboulé. S'il est claqué, je te le dis. Bismillah. Ouais, est claqué. Il est trop bizarre le goût, wesh. Mais c'est parce qu'on a mangé trop de trucs forts. Non, maman, voilà, je parle sérieux. Il y a même pas de sel dedans. Ça y est, je vais faire que de me plaindre. Regardez, il y a deux merguez ici. Il y en aura plus. C'est incroyable. Bon, je me dois de vous taper un croc comme ça, en direct, les refs. Faites des barbecues, les refs, pendant le photo, c'est incroyable. Avec des potes, de la famille, ou qui vous voulez. Bon, on va goûter le pide de la maman. Donc, c'est ça, c'est de la pâte avec, c'est quoi, fromage. Skip, c'est bon. Oignon, cachir. Comment ça regarder? En fait, j'aime bien, mais j'aime pas. En fait, ça va. Rattrape-toi. Bon, les refs, c'est en train de cuire encore ici. Bah, ils jeûnent dinde. Et là, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Bah, je les retourne, parce que pour éviter que ça grille, en fait. Ok, ça ressemble à ça, les amis. Ça a l'air incroyable, en vrai. Ah, les refs, voilà, je suis pété. T'as bien mangé? Ouais. Marvin, c'est bon ou ça va? En vrai, j'aime bien. Ahmed, t'es calé? Bah, après, je m'appelle Théo. Je l'ai appelé Ahmed. Ouais, je suis là, j'ai bien mangé, mais j'attends les brochettes. Je croyais que t'allais dire que t'attends mon tiramisu. Personne l'attend. Si, moi, j'attends. Ouais, ils attendent tous, les refs, mon tiramisu. Vous allez kiffer. Ok, voici les brochettes. Wesh, elle a mis le foulard, les refs. Ziadem. Une pour moi, une pour toi. Merci. Bon, elle est comment la brochette? Elle est terrible, avec le poivron. Ouais. Bon, la famille, on va goûter. Bismillah. Les ordres que tu me donnes. Ça, incroyable. C'est incroyable ou pas? Ouais, c'est terrible. Moi aussi, je suis calé, je m'arrête là, les refs. Bon, Adem, on est où là? Là, on est au 5, je vais tous les éteindre, ils sont pas prêts. Du coup, la famille, on va faire un match de foot, on va faire les équipes. Donc, tu es dans mon équipe? Non. Pourquoi? Faut être l'un contre l'autre un peu, ça y est, on est toujours ensemble. Mais moi, j'ai envie d'être avec toi. Non, ça y est, casse-toi en fait. Alors, Ahmed, t'es dans mon équipe? Oui. Bon, t'es prêt ou pas, Anes? Vous êtes prêts, les refs? Qui va gagner? Mon équipe. Ok, c'est son équipe, on retire, on verra à la fin là, la famille. Vas-y Adem, donne les chasubles. Putain, le gros fiacos. Là, on met nos affaires ici, les refs. Let's fucking go. Tu penses qu'on va gagner? Mais t'es pas avec moi, du coup. Ah, mais je vais gagner, c'est pour ça. Ok. Bon, du coup, la famille. Oh là là, il a failli se tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit match, on va leur dire le score après. C'est 5 contre 5, on fait le match, restez jusqu'à la fin. De toute façon, on va vous dire le score juste après, le score final. Vas-y Adem, fais du sale devant les abonnés là. T'es visionné par 1 million de personnes maintenant. Eh les refs, il y a 1 million de personnes sur vous là. Ils vous regardent. Ils s'en battent les reins. Ils s'en battent les reins, les refs. Allez, bâtard. Voilà. Wow, il allait me tuer. Elisa, est-ce que tu peux me tenir ma sacoche? Toujours les refs, c'est elle est là pour ça en fait. Je la ramène ici, c'est pour ça. Non, je rigole. Elle a failli me tuer là. Non, en vrai, tu vas servir à quoi aujourd'hui? Tu notes pas les buts? Non, il y a pas de caméra. Ok, note pas les buts. D'habitude, on note les buts, Ahmed. C'est vrai, d'habitude, on note les buts, mais aujourd'hui, on l'a pas pris parce qu'on verra. Mais on est d'accord qu'il est toujours dernier avant de rentrer, les refs. Jamais, il est jamais en premier sur le terrain. Les gars, vous voyez dans les mangas et tout, c'est tout le temps le plus fort qui arrive en dernier. C'est vrai ou pas? Non, en général, les footballeurs qui perdent, s'ils arrivent en premier, ils partent en dernier. Ouais, toi, t'arrives en dernier, tu pars en premier. J'ai ni footballeur, j'ai ni personne. Ouais, c'est vrai. Celui qui va percer, comme je t'ai dit, il est juste derrière toi. Oh, mais c'est trop trop fort. Je suis hyper fort au foot, mais vas-y, je connais évidemment. Bon, la famille, victoire de mon équipe, on a gagné, on peut repartir l'esprit tranquille. Adem, il a perdu, c'est comment? Ça pue sa mère le football, j'avais Ahmed frère, il est trop nul, laisse tomber. Eh, écoutez, il a ragé contre son équipe, il les a insultés, il voulait foutre la merde alors que c'est le ramadan, frère. Apaise ton cœur, on a gagné, victoire, on rentre à la maison, on va manger le tiramisu. Ouais, on rentre, c'est mieux de manger de toute façon. Voilà les refs, on a gagné combien? Plus 3, je crois. Voilà, plus 3, il devait avoir 20 à... 23. À 17, je sais pas. On a gagné en tout cas.
Bon la famille, on a terminé la journée, c'était comment? C'était aberrant. Enfin en vrai c'était cool, tu vois, ouais. Mais c'est hyper fatigant. Aujourd'hui, ça m'a fatigué. Bon en vrai les refs, la tête d'homme, c'était fatigant. J'ai dû faire le tiramisu, bon en vrai j'ai fait que ça. Ouais mais dans tout ça, on dort pas, plus on a fait un match de foot, aberrant. Ah c'est vrai, c'est le match de foot qui m'a mis KO. D'ailleurs tu t'es douché? Bah oui, je me l'ai fait là-bas. Moi je me suis pas douché là-bas, j'aime pas ça. Du coup on a gagné hein. Carrément. La tête d'homme, la famille, il y avait 4 points en plus pour nous. Et à la fin, on perd 3 points en plus pour eux. Attends, raconte pas ta vie, ils s'en battent les reins. Genre là, t'as perdu, on a gagné, fin du débat, frère. Les refs, dites en commentaire si vous avez kiffé le vlog barbecue. Et nous, on va se retrouver demain pour un prochain vlog. Non, on va pas se retrouver demain. Pour eux, c'est le lendemain, mais nous, c'est dans 30 minutes, en fait. Ouais, les refs, il est déjà 4h30, faut aller filmer l'autre vlog. Du coup, on dort pas, les refs. Et demain, on a une longue journée parce que, demain, les refs, on va préparer le voyage, les valises, test PCR. De toute façon, vous allez voir. Ouais, parce que demain, on vous annonce... Où est-ce qu'on va au voyage? Eh vas-y frère, j'aime pas Zarma Suspense. Non mais non, leur dis pas. Mais frère, parce qu'en fait, à cette heure-ci ils vont dire ah ouais, genre ils vont s'attendre à un truc de ouf, on va leur dire le pays, ils vont faire ok. Mais wesh, tu crois on va dans un pays où il y a que des égouts ou quoi? Tu sais, tout à l'heure dans les commentaires j'ai vu ouais, vous allez où? En Arabie Saoudite, en Égypte, c'est pas du tout ça les refs. Mais c'est quand même incroyable là où on va. Bah c'est vrai que pour le ramadan c'est une dinguerie. Bref, en tout cas la famille, vous verrez. Maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont pas abonnés. Parce qu'on est déjà 1 013 000, ça va hyper vite. Gros big up à vous la famille, vous êtes incroyable. C'est une dinguerie. Et en tout cas, ça fait plaisir parce que les vlogs, vous les kiffez. Et on va continuer à vous faire kiffer, même si je suis shooté, mais au calme. Bref, la famille, on se retrouve demain. Maximum de likes. Gros bisous, à demain.